j'avais une autre question. Oui, dis-moi tout. Yana. Parce que j'ai écouté le son Perdre du temps, c'est mon son préféré. Mm-hmm. Merci pour le son. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu as des conseils pour sortir d'une relation un petit peu toxique? C'est fou comme les gens se confient à toi cette semaine. C'est ils me posent des questions. C'est fort, c'est fort. Je te dis, incroyable. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe avec toi. J'ai jamais eu autant de questions comme ça. On a eu quoi encore cette semaine? Genre, ouais, comment tu me conseilles pour sortir avec mon crush, machin. Les gens, t'as une espèce de confiance comme ça en toi. On a envie de te poser des questions. Ouais, parce que chante des trucs qui vivent, tu vois, elle perd du temps. Donc alors, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre pour sortir d'une relation toxique, ouais, que je pourrais te dire Bah, à mon avis, il faut vite partir, hein. Quand c'est toxique... Ouais, il faut tout couper, déjà, faut bloquer, faut bloquer partout, vraiment, parce que tu connais, nous, on a un pouvoir de fou, hein. Revenir, c'est trop facile. Ça veut dire que bloque tout et sors. Et passe à autre chose. Ouais, sors. Ah, parce que si c'est toxique... Ouais, sors, ouvre-toi à d'autres personnes, c'est sûr que c'est dur, c'est facile à dire, mais ouvre-toi à d'autres mecs que toi. Ouvre-toi doucement, genre ouvre-toi, parle, tu vois. On avait compris. Non, mais parce que tu connais le truc, comment ça rigole. Après, ça va mal. Il commence à rigoler, ça va mal interpréter mon truc. Bah, en tout cas, Liana, non, voilà, le seul conseil qu'on peut donner, c'est si ça devient toxique, si c'est toxique, taille, hop, tu tailles, hop, fini, hop, rideau. Planète rap.